Salut à toutes et tous, bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield. Au commentaire avec moi l'incontournable Pierre Ménès. Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe, le Liverpool FC contre le FC Midtjylland. Oui, une confrontation a priori assez déséquilibrée entre ces deux équipes. En plus, ça se joue chez le favori. Il y a quand même des chances pour que l'addition soit un peu sévère à l'arrivée. Number 5, Jorginho Wijnaldum. Number 9, Roberto Firmino. Liverpool qui fait partie des clubs emblématiques de cette Ligue des Champions, avec une histoire très riche, avec des grandes joies, des grands drames. Oui, avec 4 succès entre la fin des années 70 et les années 80. Et puis après, il y a eu la longue suspension suite au drame qu'a vécu le football anglais. Puis le retour au plus haut niveau. Et Istanbul. Et voilà, et cette finale. La finale de 2005. Hein, ouais. Où ils étaient menés 3-0 à la mi-temps par l'AC Milan et qu'ils ont gagné au tir au but. C'est leur truc, clairement, à la Coupe d'Europe, à Liverpool. Ah, ils perdent ce ballon. Et la frappe et le but. Fabuleux. On voit très bien sur ces images, il se décide en une fraction de seconde. Il arme, il tire et but. Impeccable. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Sur l'aile. Continue sa progression. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ouais, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Chercher une ouverture bien sûr. Ah oui, c'est bien fait ça. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Roberto Firmino. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon-là, c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face. Bonne phase de conservation là, en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Wijnaldum. Liverpool, ça fait partie vraiment des mythes hein, du foot européen. Ah ouais, avec un stade qui peut compter sur des supporters incroyables. C'est pas qu'Anfield au niveau architectural soit hyper impressionnant, mais l'ambiance est géniale. Ils vont bénéficier de la touche. Roberto Firmino. Fabinho. Fabinho. Sadio Mané. On protège bien son ballon. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Qui perdait le ballon. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Avec des stats de possession un peu décevantes pour Liverpool. Mais on le sait, ça fait pas tout. Hein. Et cette équipe a su se montrer réaliste quand elle a eu des occasions. Et c'est peut-être un peu fini l'époque du tiki-taka qui gagne systématiquement. Fabinho. On sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec
ces échanges assez fluides. Récupéré par l'adversaire, ce ballon complètement manqué de Sadio Mané. Le bon ballon donné par-dessus. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Roberto Firmino. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? Il fait son match, clairement, rien à dire. Il fait ce que le coach lui a demandé. Et jusqu'ici, il le fait bien. Encore 45 minutes comme ça, et je crois qu'on pourra lui donner une bonne note. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Un petit peu d'espace devant lui. Ouais, il est bien placé pour centrer. Dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Le corner pour peut-être chercher l'égalisation. Ah, il est bien parti, ce corner. Ah, il y a toujours un pied qui traîne. Pione Sisto. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Oh, l'égalisation ! L'égalisation ! Le match est relancé. Les images de cette action qu'on est en train de revoir avec au départ un 1-2 qui prend la défense à revers. Ça, il fallait le faire, hein, marquer sous la pression adverse, c'était pas évident du tout. Allez, tout est à refaire, un but partout. Alexander Arnold. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Roberto Firmino. Mané. Fabinho. Wijnaldum. Avec Firmino. C'est contré. Et c'est encore lui sur le ballon. Bien donné encore une fois. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il essaye de trouver la faille. Et ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Ah oui, la bonne passe. J'ai trouvé une ouverture là. Oh, il était temps d'intervenir là. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. C'est dégagé. Le défenseur qui prend le risque hein, sur ce tacle. Surface, c'est gonflé quand même. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé, il y a un hors-jeu. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. On va mettre ça là. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant, c'était pas très puissant mais bien ajusté. On s'observe de part et d'autre, on tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Allez, à lui de trouver un partenaire dans la surface sur ce coup de pied arrêté, un but maintenant serait décisif.
Et alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Non, ce sera une sortie de but. Et le match est toujours autant disputé, mais les supporters poussent, Pierre. D'où les chants qu'on entend maintenant, Hervé. Les joueurs doivent se transcender maintenant pour leur rendre l'appareil. Quel appareil ? Ouais, l'appareil auditif. Ah, c'est une perte de balle. Il reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match. Récupération et peut-être une action dangereuse. Il alerte son partenaire dans le dos. En position idéale pour centrer. Pione Sisto, un gros travail de protection du ballon. Et il va y aller. Il a frappé, il a été contré. Il avance balle au pied. Il tente un tacle glissé dans la surface, en pleine surface. Mais il sait que c'est dans la surface. Les deux équipes à égalité à l'issue de ces 90 minutes. Que va décider le joueur ?